comme on n'était pas connu, tu vois, on ne savait pas comment ça marchait. On arrivait, on trouvait des gars qui avaient des cassettes, tu vois, et qui avaient déjà pré-enregistré leurs démos. Et nous, on ne savait pas. Donc nous, ce qu'on faisait, c'était beatbox a cappella, quoi. Lui, il faisait beatbox, moi, je me posais dessus et vice-versa. C'est ce qu'on faisait. Et c'est comme ça qu'on a rencontré Coxys, qui était membre de Pifros. On lui a dit, on veut être sur scène, on veut rapper. Il nous regarde, on était tellement petit de taille. Il dit, vous venez d'où? Je dis, moi, je viens des Centenaires, Medina. Et l'autre, il dit, non, il dit, Colobane, on veut jouer. Il dit, OK, mais vous avez une cassette, vous avez une maquette. Parce que pendant ces temps-là, tous les artistes faisaient un peu de playback et tout. Et nous, on lui dit, on n'a pas de maquette. Il dit, qu'est-ce que vous avez? On lui dit, on n'a rien. Vous êtes venu avec quoi? Bah, on est venu avec nous. Mais qu'est-ce qui va se passer si je vous donne le micro? On lui dit, donne-nous le micro, tu vas voir.